Bon sabbat encore une fois. J'espère que vous avez apprécié cette musique spéciale concernant les hauts et les bas de notre vie. Bien sûr, nous avons tous des difficultés dans notre vie qui vient. Concernant le sermon aujourd'hui, notre bureau en France reçoit régulièrement des courriels de personnes demandant si nous avons une assemblée de l'Église dans la région. Nous répondons, comme vous vous en doutez, que nous n'avons pour l'instant que deux assemblées en France, l'une dans la région de Bordeaux et l'autre à Narbonne. Les moyens, un ministre de l'Église peut les contacter pour répondre à toutes les questions qu'ils se posent sur l'Église. Voilà, ça c'est la réponse. Et peut-être qu'avec le temps, cette personne comprendra qu'elle est appelée par Dieu et qu'elle désire être baptisée et, en fin de compte, faire partie de l'Église. Quelqu'un peut faire partie de l'Église sans vivre près d'une assemblée régulière en personne, mais en fait, j'ai vu que c'est plus difficile quand quelqu'un n'est pas près d'une assemblée sabbatique régulière, même s'il se joint à une assemblée virtuelle, se zoom comme celle-ci. Fait partie de l'Église est étroitement lié au fait de se réunir avec d'autres croyants, que ce soit en personne ou virtuellement. Mais la réalité en France et dans beaucoup d'autres endroits dans le monde est que de nombreux membres du peuple de Dieu sont séparés les uns des autres par de grandes distances. Et dans ces conditions, quel est le but de l'Église et quel est notre rôle dans l'Église? Je vous invite à vous rapporter, s'il vous plaît, à Matthieu 16 et verset 18 et lire la première fois que le mot « Église » est mentionné dans la Bible. Donc, Matthieu 16, pour commencer, premier évangile, premier livre de Nouveau Testament, Matthieu 16, verset 18, un fameux verset ici, Matthieu 16, verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elles. » Ce verset nous apprend de beaucoup de choses. Tout d'abord, nous apprenons que l'église perdurera même si celle est attaquée. La métaphore est que les portes de l'enfer sont à l'extérieur de l'Église essayant de les taquer et de les détruire, mais elles ne parviennent pas. La deuxième chose que nous apprenons est que l'Église elle-même est fondée sur Jésus-Christ. Même les érudits catholiques admettent que le jeu de mots que Jésus entre la signification de mot « Pierre » qui est un petit pierre, et roc, qui est un gros rocher, met en évidence les différences entre le fait que son église est construite sur Jésus-Christ et non pas sur un homme, même un homme tel que Pierre. Enfin, nous découvrons le mot grec que Matthieu a choisi pour décrire le groupe des croyants qui suivraient Jésus, l'Ecclésia. L'Ecclésia, un mot dont nous parlerons dans un instant. Cette église dont Jésus a parlé recevrait, voire accueillerait, tout ce qui serait appelé par le Père. Ce serait un lieu d'apprentissage, d'encouragement et d'adoration de notre Père Céleste. Aujourd'hui, je veux parler de l'église. Qu'est-ce que c'est? Quel est son objectif? Et quel est notre rôle à cet égard? À mon avis, une question d'autant plus importante que beaucoup de ceux qui entendent ma voix aujourd'hui sont chez eux et ne sont pas réunis avec d'autres membres de l'Église en personne. Herbert Armstrong a écrit sur le mystère de l'Église dans son dernier livre, Le mystère des siècles, et il est là appelé peut-être
le plus grand mystère de tout. Je suis d'accord. Nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens indépendants. Nous ne sommes pas appelés uniquement à un salut individuel et à nous isoler. Au contraire, nous sommes appelés à faire partie d'un groupe de croyants et nous ne pouvons pas choisir qui fait partie de ce groupe de croyants non plus. Comme nos ancêtres spirituels, Dieu a appelé des riches et des pauvres, de toutes les ethnies, de toutes les langues, de toutes les cultures. Dans le Nouveau Testament, nous lisons l'histoire de Onésime, un esclave qui a été appelé dans l'Église de Dieu et qui appartenait d'un homme nommé Philémon, lui aussi membre de l'Église. Ces deux hommes membres de l'Église de Dieu n'avaient rien en commun, mais se soumettant mutuellement l'un à l'autre. C'était quelque chose d'impensable dans l'Antiquité et difficile à imaginer également dans le monde d'aujourd'hui. Même lors de cette assemblée virtuelle Zoom, de temps en temps, nous avons un homme, je crois qu'il n'est pas là aujourd'hui, un homme qui vit en Russie. Alors que l'Europe soutient l'Ukraine contre la Russie dans une guerre sanglante qui dure depuis près de 2 ans. Pourtant, nous ne rencontrons pas en paix. Nous rencontrons en paix. Comment cela est-il possible? En effet, l'Église est un mystère. Mais pour ceux qui sont appelés par notre Père Céleste, ce n'est pas un mystère. Nous avons tous un rôle à jouer, même si nous sommes isolés les uns des autres. En fait, c'est plus qu'un rôle, c'est une obligation à servir, une obligation à s'assembler, une obligation à partager nos talents et nos dons. Une obligation qui, avec le temps, doit devenir un plaisir que nous choisissons volontairement, non plus un devoir, mais un désir. Le titre du message d'aujourd'hui est « Quel est mon rôle dans l'Église ?» Quel est mon rôle dans l'Église ? En 1960, le président des États-Unis, John Kennedy, a demandé aux citoyens de son pays « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. » Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et c'est pourquoi je vous implore dans ce sermon, ne demandez pas ce que l'Église peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour l'Église. Voilà, donc aujourd'hui, il s'agit d'un appel à l'action pour que chaque membre baptisé de l'Église de Dieu mette sa passion, son énergie au service du chef vivant de l'Église Jésus-Christ, afin de faire progresser la mission de l'Église, qui consiste à prêcher l'Évangile, le royaume de Dieu, et à former et à prendre soin des disciples que notre Père Céleste appelle. Le moment est venu, et j'espère que ce qui suit incitera chacun d'entre nous à passer à l'action. Bon, pour commencer, il faut définir le mot « église ». Qu'est-ce que ça veut dire « église » ? Lorsque vous entendez le mot « église », à quoi pensez-vous ? Pensez-vous à une organisation ? Pensez-vous à un bâtiment ? Et si vous n'avez pas un groupe régulier de personnes à rencontrer, pensez-vous que l'Assemblée de l'Église est quelque chose qui se passe ailleurs? Dans notre cas, pensez-vous à ce qui se passe à Bordeaux ou peut-être aux États-Unis? Lorsque vous pensez à l'Église, pensez-vous à vous-même? Autrement dit, vous considérez-vous comme faisant partie de l'Ecclésia, l'Église? Si vous regardez la définition selon le Larousse, il y a 7 définitions du mot « église ». Et permettez-moi de les lire
Parce que je crois que c'est intéressant de voir cette définition même de ce mot. Premièrement, société religieuse fondée par Jésus-Christ. Deux, l'ensemble des fidèles de toute communion chrétienne, comme l'Église protestante. Trois, l'Église catholique romaine. OK. Société 4, société de fidèles catholiques de même état, du même diocèse, comme l'Église de France. 5, société de tous les ecclésiastiques ou clériques d'une Église. La Révolution a vendu le bien de l'Église. 6, corps des évêques chargés de l'enseignement de la doctrine et de l'administration spirituelle et temporelle des affaires ecclésiastiques, comme l'autorité de l'Église. Et finalement, cet ensemble de personnes professant les mêmes doctrines ou visant le même but, secte, clan, avec une minuscule, l'esprit de l'Église de certaines écoles de pensée. Voilà, cette définition. Si vous considérez l'Église de ce point de vue, vous pouvez commencer à voir le large éventail de définition. Nous avons déjà lu ici dans Matthieu 16, et savons donc que l'Église, avec un C majuscule, est une société religieuse fondée par Jésus-Christ, même si nous ne l'utilisons pas le mot société, ça c'est un petit peu drôle, car nous utilisons un autre mot dont nous parlerons bientôt. Je pense que nous sommes d'accord pour dire que l'Église est un ensemble de personnes professant la même doctrine ou recherchant le même but. Moi, je trouve le mot ensemble intéressant parce qu'il fait penser à une collection de choses qui s'accordent, comme ce qu'une femme peut porter pour aller travailler, le chemisier assorti à la jupe et aux chaussures. L'ensemble est conçu pour bien s'accorder. Nous sommes ensemble de personnes qui s'accordent en raison de leurs convictions et de leur passion et de leur mission commune. Mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose à ces définitions. Un élément spirituel essentiel que je ne m'attendrai pas à ce qu'une publication laïque comme le Larousse inclus comprenne. Reportez-vous, s'il vous plaît. Reportez-vous avec moi à Colossiens 1 et verset 24. Colossiens 1 et verset 24. Et on peut lire ça ensemble. Colossiens 1 et verset 24. Il dit ici dans ma Bible, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son cœur qui est l'Église. Pour son cœur qui est l'Église. Nous voyons ici que l'Église, cette société que décrit Larousse, est appelé son cœur. L'Église est le cœur du Christ. Cœur de Christ. Si nous sommes l'Église que Jésus-Christ a établie, nous sommes son cœur. Qu'est-ce que cela signifie, son cœur? C'est un petit peu drôle. Examinons ce mot grec, ecclésia, utilisé pour désigner l'Église. Que signifie Ecclésia? Et pour définir ça, je voudrais citer l'Encyclopédie Britannica pour nous aider à comprendre l'usage de ce mot grec dans les siècles qui ont précédé l'établissement de l'Église. Donc, je cite l'Ecclésia, assemblée des convoqués, dans la Grèce antique. Assemblée des croyants d'une cité-État. Dans la Grèce antique, elle trouve ses racines
dans le concept que Homère avait nommé l'agora, c'est-à-dire la réunion du peuple. L'Ecclésia athénienne, dont on possède les archives les plus détaillées, fonctionnait déjà de l'époque de Draco, vers 621 avant Jésus-Christ. Des centaines d'années avant que Matthieu et Paul ne choisissent ce mot pour décrire le corps de Christ, le mot ecclésia était utilisé pour décrire l'assemblée d'un groupe de personnes spécialement convoquées. Je poursuis ma lecture ici. Dans l'Athènes, ça c'est la capitale de Grèce, des 4e et 5e siècle avant Jésus-Christ, le Pritane, ça c'est un mot grec, comité de boule, conseil, convoquait l'Ecclésia à la fois pour des réunions régulières, tenues 4 fois chaque 10e de l'année, et pour des sessions extraordinaires. Les assemblées de ce type existaient dans la plupart des cités-états grecs et ont continué à fonctionner pendant les périodes hellénistiques et romaines. Le mot communiquait l'idée d'une réunion régulière de personnes spécifiquement choisies et appelées à se rassembler par une autorité gouvernante. Nous voyons clairement comment les gens du premier siècle auraient compris l'analogie entre un groupe spécifique convoqué hors du monde pour se réunir chaque semaine. C'est intéressant. Mais il y a un dernier point que je voudrais aborder ici et qui se trouve dans Actes 9 et versets 3 et 4. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, dans Actes 9 et versets 3 et 4. Nous avons défini le mot église, ecclésia. Nous avons parlé du fait que l'Ecclésia est le corps de Christ, mais il y a quelque chose de très intéressant ici. Il s'agit ici le célèbre récit de la conversion de pharisien Saoul, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Remarquez ce qui est écrit au verset 3 et 4. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? » C'est une question très profonde. Qui Saul persécutait-il? Il persécutait les chrétiens, n'est-ce pas? Et en général, il persécutait l'Église. Ecclésia. Mais le Christ ne dit pas cela. Il demande pourquoi Saül le persécute. Dans ce sens, le Christ et l'Église sont la même chose. Lorsque nous disons que nous sommes le corps de Christ, nous disons que nous faisons partie du Christ. Si nous sommes dans l'Église, le corps de Christ, nous sommes un avec le Christ. Lorsque nous sommes persécutés, c'est le Christ qui est persécuté. Nous pouvons parler de devenir un avec le Christ, mais nous ne pensons pas souvent à la façon dont nous sommes un avec le Christ et l'Église. C'est pourquoi Paul dit plus loin dans Éphésiens qu'il n'y a qu'un seul corps et qu'un seul esprit. Nous ne pouvons pas séparer ces deux choses. Avons-nous le sentiment de faire qu'un avec les personnes qui participent à cet appel Zoom?
sommes-nous aussi proches de Christ que des personnes appelées dans l'Église? Telle est la norme. C'est une autre façon de définir l'Église. Passons au deuxième point. Quel est le but de l'Église? Quel est le but de l'Église? Compte tenu de ce que j'ai dit, il y a peut-être plus facile de répondre à cette question. Le but de l'Église est le même que celui qui Jésus-Christ a, celui que Jésus-Christ a déclaré être le saint. Donc, reportez-vous s'il vous plaît à Marc chapitre 1 verset 14, le deuxième évangile, deuxième chapitre du Nouveau Testament, juste au commencement. C'est un petit peu brusque le commencement de livre de Marc. Dans Marc chapitre 1 verset 14, pas beaucoup d'introduction de ce personne qui s'appelait Jésus le Christ. Il dit dans Marc chapitre 1 verset 14 et 15, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le but du Christ était de prêcher le message du royaume de Dieu et de dire aux gens de se repentir et de croire en cette bonne nouvelle. C'est le but de l'Église. Et nous pouvons voir comment le Christ a élargi ce but à ses disciples dans Matthieu 28 et verset 18. Matthieu 28 et verset 18 et 20. Donc, reportez-vous pour moi, c'est juste une page avant. c'est pas loin. Matthieu 28 et verset 18 et 20. Et on peut lire ensemble. C'est littéralement, comme j'ai dit, j'ai juste une page de différence. Il dit ici, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Avez-vous l'impression que c'est votre objectif? C'est votre but dans la vie? Votre objectif est-il de partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu? De contribuer à faire des disciples et d'enseigner à ces personnes toutes les choses que Jésus a enseignées? Ce que j'ai vu? Ce que les gens disent souvent, mais c'est que c'est l'Église. Et par l'Église, il veut dire que les dirigeants de l'Église ou les personnes employées par l'Église. Mais si vous acceptez ce que j'ai partagé dans mon premier point, alors vous devez accepter que c'est aussi votre rôle. Mais avant que vous ne vous inquiétez trop, l'Église de Dieu a une compréhension importante aussi. Elle comprend qu'aujourd'hui n'est pas le seul jour de salut. Nous, l'Église, ne sommes pas engagés dans une lutte pour sauver le monde, non. Nous devons donc contribuer à la prédication de l'Évangile. Mais nous avons aussi un autre rôle, bien sûr, nous avons un autre rôle. Je vous invite à vous rapporter à Jacques 1, verset 18. Donc, il faut prêcher l'Évangile, bien sûr. Il faut, tout le monde a un part. Mais il y a quelque chose d'autre, d'important. Dans Jacques, chapitre 1, verset 18. C'est après le livre des Hébreux. Jacques, chapitre 18. Et avec cet esprit, on peut être guidé par les choses que Jacques a dit ici. Il dit,
Il nous a engendrés selon sa volonté, par sa parole de vérité. Sa parole de vérité, j'espère que ça veut dire qu'il faut lire la Bible chaque jour. Ça, c'est notre but avec ce programme. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Notre vocation dans l'Ecclésia est d'être des prémices. Des prémices, c'est-à-dire un premier fruit, une récolte précoce. Nous comprenons cela à partir de la signification du jour de la Pentecôte, qui est aussi appelé la fête des prémices. C'est l'époque d'une petite récolte où seuls quelques-uns sont appelés afin d'être préparés à régner avec le Christ lors de la grande récolte qui suivra. Lisons ce passage dans 1 Corinthiens 15, verset 20. On peut voir l'ordre des choses ici, dans 1 Corinthiens 15, verset 20. Il dit ici, verset 20, « Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. » Donc, nous sommes les prémices, il est vraiment le prémisse de ceux qui sont morts. Car, verset 21, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venu la résurrection des morts. Et comme tout meurt en Adam, et même aussi tout revivant en Christ. Mais chacun a son rang. Chacun a son rang. Voilà une phrase remarquable qui nous montre qu'il y a un ordre dans la façon dont Dieu travaille avec les gens. C'est pourquoi nous sommes l'Ecclésia, parce que nous sommes appelés à sortir du reste du monde. Nous lisons dans l'Apocalypse 5, verset 10, que nous sommes appelés à être un royaume de sacrificateurs et que nous devons donc nous préparer, enseigner, à juger et à servir. C'est l'un des objectifs de l'Église qui doit nous permettre de nous préparer à ce rôle futur. Et bien sûr, verset 23, « Mais chacun a son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu, le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. » Voilà, ça c'est l'ordre des choses. Ainsi, oui, nous devons soutenir la prédication de l'Évangile, mais nous devons aussi nous préparer à régner. Et lorsque Jean écrit dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse au sujet des églises de l'Asie mineure, il utilise le terme « vaincre ». Vaincre. Il faut vaincre des choses. Que devez-vous surmonter? Quel est mon angle mort? Quel est votre angle mort? Lorsque nous interagissons les uns avec les autres, lorsque nous écoutons et apprenons, Dieu peut nous révéler nos angles morts. Et à cet égard, Dieu révèle qu'il existe des rôles dans l'Église qui contribuent à préparer le peuple de Dieu pour cette vocation, pour ce travail. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Éphésiens 4, et verset 11. Éphésiens 4, verset 11 à 14. Et on peut lire les rôles dans l'Église, pour préparer l'Église, pour préparer les saints. Éphésiens 4, verset 11. « Et il a donné les uns comme apôtres,
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, et verset 13 maintenant, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Dieu a ordonné certains rôles dans l'Église dans le but de soutenir le peuple de Dieu, qu'il appelle les saints. C'est l'un des rôles de l'Église. Poursuivre maintenant au verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. L'un des rôles importants de l'Église est de maintenir l'intégrité doctrinale. L'Église dispose d'un processus doctrinal par lequel tout membre peut suggérer une autre interprétation de ce que l'Église enseigne. Les membres rédigent un document qui est ensuite examiné par un comité doctrinal. Par rapport à d'autres organisations pratiques en le sabbat, l'Église de Dieu uni est cohérente dans son enseignement d'un pays à l'autre. Les nouveaux ministres sont formés à cette doctrine qui était contenue dans une brochure intitulée « Croyances fondamentales ». Nos croyances de base ne peuvent être modifiées que si 75% des anciens de l'Église sont conduits par l'Esprit de Dieu à le faire. Donc ça c'est le point ici, mais terminons maintenant cette section en lisant le verset 16. Verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné en formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est la fin, on peut voir le fin de phrase ici, c'est une très longue phrase qui commence au verset 11. Donc j'ai commencé la première partie de phrase. C'est le point principal que Paul partage ici. Chaque membre de l'Église, de son cœur, apporte sa contribution. Les apôtres aux nouveaux baptisés, chacun a un rôle à jouer. Le verset 11 ne parle pas de rang dans l'Église, mais de rôle dans l'Église. Nous sommes les articulations du cœur. Nous sommes les mains et les jambes, les yeux et les oreilles. Chacun a une fonction. En fait, l'énoncé de vision de l'Église de Dieu uni est tiré en partie d'Éphésiens 4, verset 16. Et j'aimerais lire cet énoncé de vision car il est essentiel à notre compréhension de l'Église à l'ère moderne. Donc, laisse-moi trouver le... Voilà, ici. Ça, c'est la vision tirée, la vision de l'Église de Dieu uni, tirée de cet verset ici. Il dit, une Église dirigée par le Saint-Esprit de Dieu, unie et soudée par ce que chaque membre apporte, chacun faisant sa part, et grandissant dans l'amour pour accomplir le grand dessein de Dieu pour l'humanité qui est d'amener de nombreux enfants à la gloire. Le but de l'Église est de prêcher l'Évangile, de faire des disciples, de prendre soin de ses disciples
et de fournir un lieu pour la préparation de cette grande récolte future. Et ce dernier point ici, dans Éphésiens 4 et verset 16, nous amène à notre troisième point. Quel est notre rôle dans l'Église? Quel est notre rôle? Je vous invite à vous rapporter à Romains 12, parce que c'est pas mon opinion, bien sûr. C'est des choses qu'on peut lire dans la Bible, l'enseignement de Paul, de Jean, de Jésus-Christ, les écrivains de l'Ancien Testament. Donc, je vous invite ici à reporter à Romains 12, et versets 3 et 5, et lire comment l'analogie du cœur est utilisée pour répondre à cette question. Il dit ici, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Verset 4 maintenant. « Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul cœur, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul cœur en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Intéressant. Nous sommes juste partis de l'Église. Cela correspond-il à notre vision de la manière dont nous sommes liés les uns aux autres? Paul utilise l'analogie, bien sûr, du corps humain. Le corps humain a tellement de parties différentes, mais il fonctionne en harmonie. La main est coordonnée avec l'œil, les orteils, les pieds, les chevilles, les jambes, tout travaille ensemble pour marcher, courir, sauter. Franchement, c'est un miracle que nous voyons tous les jours et que nous prenons souvent pour acquis, bien sûr. Mais Paul poursuit le sujet au verset 6 pour préciser ce qu'il entend par le fonctionnement pratique de ce corps, verset 6. « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui a appelé au ministère s'approche à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. » Et celui qui exhorte à l'exhortation, et que celui qui donne la face avec libéralité, qui celui qui procède la face avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde, la face avec joie. Chacun d'entre nous possède des dons qui contribuent au bon fonctionnement de l'Église. Je suis très reconnaissant pour les heures de service que tant d'entre vous ont consacrées à l'Église. Nous voyons des choses comme M. Goris et M. Eba qui servent dans la musique. Nous voyons des hommes qui dirigent les cantiques et gèrent l'aspect technique de notre service Zoom. Il y a toujours un hôte, il y a toujours quelqu'un derrière la caméra. Nous ne pourrions pas avoir cette assemblée sans toutes ces contributions. Merci. Et permettez-moi de lancer un défi à chacun de vous présents d'aujourd'hui. Si vous ne faites rien pour servir, je vous encourage vivement à prier au sujet de ce verset de Romains 12 pour voir comment il s'applique à vous. Vous direz peut-être, je suis tellement occupé ou bien j'ai rien à contribuer. Le fait est que vous avez quelque chose à contribuer, qui est que vous soyez. Et si vous êtes trop occupé, stressé pour pouvoir servir et contribuer, il est probable
qu'il vous faudra réajuster vos priorités pour vous assurer que Christ reçoive la première place. Parfois, le service aux autres pour réduire le stress, car nous sommes encouragés lorsque nous servons. Bien entendu, la plupart d'entre nous peuvent apporter leur contribution en soutenant financièrement la prédication de l'Évangile et la formation des disciples. Nous contribuons par nos dîmes et nos offrandes. Le Christ a commandé le paiement de la dîme dans Matthieu 23, verset 23, et Paul dit aux Corinthiens que nous devons suivre Paul comme lui suit le Christ et que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Donc ça c'est quelque chose. Nous devons bien sûr prier aussi pour le peuple et l'œuvre de Dieu. Ça c'est une autre chose qu'on peut faire. Voyons un exemple de ça dans Colossiens 4. Reportez-vous s'il vous plaît. Colossiens chapitre 4. Et verset 12, on peut voir un exemple ici de prier les uns pour les autres. Verset 12, voilà, ici verset 12, Colossiens 4, verset 12. Épaphras, j'espère que j'ai prononcé bien ça, c'est une personne dans l'église à l'époque, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Moi, j'aime beaucoup la façon dont Louis II traduit combattre pour vous, combattre pour vous. Avons-nous ce niveau de passion dans nos prières pour nos frères et sœurs dans l'Église? Je sais que chacun d'entre vous traverse des épreuves personnelles et je prie pour vous aussi. Prions les uns pour les autres. C'est l'un de nos rôles dans l'Église. C'est notre travail. Et je vous invite aussi à vous reporter à 2 Thessaloniciens, ça c'est juste quelques pages après, 2 Thessaloniciens 3 et verset 1, pour pouvoir une autre fonction de prière. Il dit ici 2 Thessaloniciens 3 et verset 1, au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répandent et soient glorifiés comme elle l'est chez vous. Et enfin, que nous soyons délivrés des hommes méchants et prévers, car tous ont par la foi. Car tous n'ont pas la foi. Nous faisons partie d'une œuvre mondiale. Nous publions une revue. Nous nous efforçons de fournir un site web solide, rempli d'articles intéressants et solides sur le plan doctrinal. Et je me rends dans des pays du monde entier pour aider les responsables à prêcher l'Évangile. L'un de nos rôles est de prier pour que cette bonne nouvelle du royaume ne soit pas entravée. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 9 et verset 38 que nous devrions prier pour que des ouvriers viennent dans les champs pour aider à ce travail. Ce n'est pas mon travail, ni celui de personnes employées par l'Église, ni celui de ceux qui écrivent des articles aux États-Unis. C'est l'œuvre de Dieu. Et si nous ne prions pas tous avec ferveur pour qu'elle progresse, nous n'y participons pas. Moi, je me souviens, comme beaucoup d'entre vous, d'une audience de 1500 personnes lors de la fête des tabernacles à Port-à-Bray, en France. Je ne sais pas si c'est que Dieu désire aujourd'hui
avoir des églises dans toute la France et des milliers de personnes présentes, mais je vais faire ma part si c'est ce que Dieu veut. Et j'espère que ce soit le cas également pour vous. Quel est notre rôle dans l'Église? Prends le temps d'apporter nos talents, nos paroles édifiantes, plutôt que des critiques, nos ressources financières et nos prières. Si chaque membre apporte sa contribution au corps avec le désir de servir Dieu et la tête de corps, Jésus-Christ, l'Église mûrira spirituellement et grandira et nous serons prêts pour le retour de Christ. Moi, je pense que Herbert Armstrong avait raison de dire que le mystère de l'Église est peut-être le plus grand des mystères. Mais il était révélé aux enfants de Dieu. Le moment est venu de prier pour que nous comprenions mieux notre rôle dans l'Église. Permettez-moi de conclure en revenant en Romains 12, en conclusion. Romains 12, mais cette fois-ci au verset 1. Ça, c'est le contexte des versets que nous avons lus précédemment. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrons nos cœurs et nos esprits au service de Dieu, au service de l'Église, et notre offrande raisonnable. La situation mondiale ne s'améliorera pas. Des événements de prophétiques se produisent tout autour de nous. Ne soyons pas inquiètes, mais renouvelons notre désir et notre enthousiasme à participer à l'œuvre de l'Église. Il s'agit d'un appel à l'action. C'est notre service raisonnable. Notre service raisonnable.